On a aujourd'hui le plaisir d'être ici dans un lieu qui nous accueille, au Club Foch à Vincennes, où se déroulent deux stages, un stage de formation de Master Black Belt et puis un stage de Black Belt Lean qui se forme également en même temps. Et on a profité de cette occasion-là pour organiser également une séance de soutenance, donc un jury constitué de moi-même et d'un des formateurs. Le Master Black Belt, c'est quelqu'un qui est déjà parvenu au niveau de Black Belt, c'est-à-dire qui maîtrise l'ensemble des techniques et des outils du Lean Six Sigma. Il a mené des projets, il a une certaine expérience, des heures de vol comme on dit entre nous parfois. Il va à un certain moment avoir besoin de consolider ses connaissances, donc il va le faire dans le cadre d'un stage de 2 modules de 4 jours. Et il va également éclairer tout ou partie de la démarche d'excellence opérationnelle de l'entreprise et la présenter sous forme de ce qu'on appelle une étude qui présente le système d'excellence opérationnelle de l'entreprise. Cette formation, c'est d'abord le fait de se sentir déjà plus à l'aise dans les outils Lean. J'ai vraiment pu atteindre en fait un niveau où je suis à l'aise quand je dois faire des études statistiques et ainsi de suite, l'utilisation de Minitab, qui même après Black Belt, je me sentais encore un peu faible. Et puis aussi, il y a tout un aspect autre que le Lean ou que l'excellence opérationnelle, comme tout ce qui est gestion du changement. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Il y a aussi un aspect un peu plus financier qu'on n'apporte pas du tout dans la formation Black Belt ou les autres formations Green Belt. Pour moi, ça a été vraiment le plus. J'ai trouvé que la formation XL, elle avait deux gros avantages. C'est qu'il y a un excellent équilibre entre, l'apprentissage des outils un peu plus avancés que les outils vus en Black Belt, notamment au niveau statistique. Équilibrage avec plutôt aussi tout ce qui est la partie conduite de changement qui est hyper importante dans notre métier.